bonjour, Internet, ici Interlocuteur. Ici Gaden pour les jeux du cygne. On retrouve la tribu du cygne, dans la commission des seringues dans leur ville. Donc on s'est réinstallé. Tantôt et heureux. Ouais. On s'est réinstallé donc là sur les chambres qu'on avait au sud. Je suis sur le point de terminer. Hop, allez, défoncer tout ça. M'enlever le sol. Tac. Tac. Voilà. Donc ça commence à avoir une tête plutôt sympa. On a une petite caravane qui est sur le point d'arriver. Hein. Dommage. Juste avant la nuit. C'est raté. Damned qui est en train de terminer son premier repos de la mort, si je ne me trompe pas. Deuxième, peut-être. Nous avons Tom qui est enceinte. Hop, voilà. Déjà qu'elle avait du mal, nausée matinale. Enceinte, jambe droite écrasée. Paye ton mouvement, quoi. Le pauvre. Ah, fabrique une jambe bionique, justement. On en parlait. Paf, allez. Je sais pas ce que tu es en train de faire. Tu sèmes la zone. Ouais. Tu vas rien semer du tout. Tu vas aller te reposer jusqu'à guérison complète, cocotte. Jusqu'à ce qu'on va bien s'occuper de toi. Hop là. Caravane arrivée. Réaliser l'offre commerciale. Yes. Et ils sont... Qui est achevé. Très bien. Commercer. Alors, qu'est-ce que tu peux me revendre qui m'intéresserait? Les composants avancés, c'est toujours bien à prendre. Moi, j'ai plein de trucs à te revendre. Du smoke leaf. De la bière. Du plastacier, tout ça on revend. Oh putain, je suis con, j'ai pas pris de thunes. Il y a de quoi revendre, hein, mais c'est un peu débile. Hein. Donc, composant, c'est t'as pas de composant de base, ça pue. Ça pue complet, merde. Cœur bionique. Bon. Bah, c'est un peu un échec, parce que comme ils n'ont pas de thunes. Bouclier d'énergie, il faudrait que je m'en fasse. Non, je crois que je peux en faire en plus. Il me semble. En plein de vêtements dont j'avais pas grand chose à faire, des statues dont je me cogne un peu, je peux lui acheter de l'acier, ouais, mais j'en ai en fait de l'acier, j'en ai 1200 je crois, enfin, j'en manque pas franchement, mais bon, c'est vrai que tant qu'à faire, j'ai envie de la payer là. Le bout de blâme, tout le reste. Écoute. Allez, on fait un match nul. J'ai pris des composants avancés, c'est toujours cette prix. Ah merde, je vais être trop lourd. Je vais pas en prendre autant. Non, c'est en moins. Hop, hop, allez, attends, je vais éviter de trop et crack. Et ben donne des sous. Tac. Le marchand n'a pas assez d'argent. Ah merde. Bon. Alors il me faut plus de trucs du coup. Je pense que j'avais déjà dû passer chez eux. Et ils n'avaient pas...
C'est un peu con ça. Je vais garder les sculptures. Vais garder 116, 105. Allez. Ouais, du coup, hop. Vous allez rentrer. C'est qui? C'est mon docteur. Ketox. Quand on aura fini d'allaiter Ardarine. Tiens, mon péritum. On va sauvegarder des fois qu'il y a une connerie. Je n'ai pas très très peur. C'est un succès. Tom a une belle jambe bionique. Ouf. Ah. Je commence à voir passer. Eh ben. On va en improviser deux. Ce que ça donne. Canton, on va t'occuper de ça. Ça va bientôt aller chercher le deuxième générateur. Oui, c'est vrai que. Sauf que, attends, j'ai combien de composants du coup? J'ai que 4 composants, donc ça va pas être possible dans l'immédiat. Un plafond s'est effondré. Ah merde! Merde, 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 merde. Stop. Stop. C'est bon, tu te l'es pas pris sur la poire. Commence impérativement par enlever le plafond. DB Games, pareil. Tac, tac, tac. Toit de la zone. Tac. Alors, j'ai un vaisseau psychique qui est arrivé. 1488. Ça commence à devenir un peu intéressant. Bien. Et ben. Tac. Ah, il y a quand même 4 faucheurs. 5 faucheurs. 3 piquiers. Armure de reconnaissance. Ouh. Arc génétique. Ouais, j'ai toujours pas regardé ce côté génétique. C'est vrai que j'avais fait la dernière fois et je m'en suis pas préoccupé. Croissance d'un enfant, hyper sommeil, armure de commando. Ouais, c'est ça, j'ai le bouclier d'énergie. Tiens, je pourrais faire les capsules de transport parce que comme de temps en temps c'est pratique. Ça, j'ai besoin du raffinage. Ok, j'ai un lancier et un militoïde. Et ben, on va faire ma stratégie classique. En plus, là, ils font dodo. Donc, je vais me faire des murs. Des murs, genre. Tac, tac, tac. Tac, tac. Hop. Hop. Histoire que mes tireurs puissent se planquer derrière. La même chose. Hop. Comme j'en ai pas mal. Tac.
excentré. Et combien de tireurs en tout normalement? Toc 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 toc. Toi, t'es en soldat, oui. Always, ils en ont envoyé 1, 2, 3, 4, 5. J'ai 5, 6, 7. 7. Toi, t'es initial, je pense que t'es en ouvrier. Vu ta tenue. Ouais, t'as une tête de quelqu'un qui est en ouvrier. Les ouvriers, je vais mettre un peu derrière. Donc j'ai dit combien? 1, 2, 3, 4, 5. 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bon, bah, j'ai tous les mêmes de mettre de côté. Et 7. Et je vais faire une deuxième rangée. Avec... j'ai combien de tireurs? 1, 2. Tout est au tir, tout est au tir. Rossignol, il devrait être... il est au cac, Rossignol. Voilà. Il est là, même s'il n'est pas bon. John, donc 1, 2, 3, 4 avec Lycium. 1, 2, 3, 4. Voilà. On va faire comme ça. Et voilà, Tom qui gambade maintenant. Tac. Une ensemble, vitesse 57. Bon, ah oui, mais elle est encore sous anesthésie. Elle est pardonnée. Puis le feu, caneton. Ouais, vous êtes des grands là. Hop, attaquez. Lycium, du coup, t'es toujours pas réinstallé. Non, parce que je m'en suis pas occupé. Je pourrais faire d'autres, une autre série de chambres là. Peut-être. Allez, tac. Est-ce qu'il me reste 635, ça va. Tempête d'éclair, mon dieu. Tout est constructible, oui. Donc je vais faire... j'ai la peine de faire 3 ou 4 chambres. 6, 5, 5, 5, 5, tout juste. Ouais, tout juste. Tac, allez, 4 chambres ici. Tac, tac. Et tac, je commence à faire ça comme un pro, donc. Presque sans réfléchir. Hop, 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 hop. Carrelage en... sol. Carrelage en ardoise. Pif, paf, pouf. Ça, je pourrais le péter du coup. Une lopette ce canton, je te jure. Ah, t'es une lopette canton. Hop. Raffinage. Hop, on m'a dit capsule de transport. Alors, en vrai, du coup... ouais, mais du coup, il me fait fouchi à Pompoto. La bonne excuse quoi. Mais non, à
Allez, vous êtes des grands. Console, plateforme, automatiquement désactivée. Très bien. Allez, tac. T'es constructeur, toi? Non, t'es pas du tout constructeur. Hop, tu verras, c'est pas très très compliqué quand même. Du tout constructeur. Ardarine, comment vas-tu, petite fille? Les parents sont heureux, le berceau est bon, il y a juste un drone psychique qui fait un peu la merde. Il aime bien tout le monde, il aime bien sa mère, tant bien. Maman Katox. Tiens, commencez par me faire ça. Pourquoi tu... Voilà. Hop. Que ça que je veux que tu autorises. Non, ça c'est pas. Une brumacide s'est élevée. Oh, c'est chiant ça. C'est quoi déjà la brumacide? Ralentit la croissance des plantes, détériore les objets exposés, dégrade l'humeur. Ouais. Bon. De toute façon, pas bien le choix. Faire ça, en ardoise, et là aussi tu veux faire des vrais, des bons, ça fait économiser un peu. Tac 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 tac, tu vas pas les autoriser pour l'instant. Ah merde, attends, je suis con. Non, j'ai pas l'impression. J'ai pas l'impression qu'il y ait de vrais risques pour les animaux. Parce que il dit juste ralentit la croissance, détériore les objets et dégrade l'humeur. C'est pas hyper contraignant. Et ils en mettent un temps eux à revenir. Qu'est-ce qui se passe? Ah merde, est-ce que j'ai pas envoyé des mecs qui avaient besoin de yayos et qui sont pas sous yayos à tous les coups? Mouvement 70. Ah, si ça se trouve c'est ça. Santé. Ah putain, 40 sous yayos. Quel con. J'avais oublié de lui dire d'en prendre. Bon, il y a l'initium. Tu déplaces ta chambre. Tac. 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 Ok, il te faut un radiateur, j'en avais mis un là, donc j'avais dit que j'en avais pas besoin. Tac. Si là il faut que j'autorise ou que je le ferme ensuite. Et il me faut de la lumière. Ah, rentre combien de caravane? Eh ben, commerçons, même si j'ai pas grand chose à te fournir, au pire je te file du luciférium. T'as des composants, t'as pas de composants. Ouais, je vais prendre tes herbes médicinales. Pour le reste, bah tant pis. Caravane arrivée. Moi et moi ce toit là. Alors Tom, tu es à quelle vitesse avec tes super jambes bioniques? 106%. Et pourtant, problème d'être enceinte. Bon, et puis maintenant que tout le monde est là, je vais pouvoir gérer
Mon drone, c'est chic. Hop, tu me démoules tout ça. Et tu m'enlèves le sol. Capsule de transport, très bien. Alors, qu'est-ce qu'on recherche ensuite? Oh, il est temps qu'on y est, hein. Quand on a les trucs de reconnaissance, on va avoir les trucs de commando. Ah merde, attends, il faut que je fasse gaffe que j'ai besoin d'électricité. Pour mes tourelles. De toute façon, il faut que je repense mes défenses. Là, je vais pouvoir faire de vraies défenses ici. Maintenant. Il fallait que j'enlève le sol. Ferme, il me reste 297. Autorisé. Et oui, j'ai plus d'électricité du coup. Je vais garder. Qu'est-ce qu'il m'a 800 000 bois, ça va. Oh, putain, par contre, c'est le drame en hémogène. Au pire, je ferai des dons volontaires. Damnet, je serais pas un peu en train de pioncer comme un gros porc, là? Ah, si. Ah, mais d'accord, en fait, tu dors ici, toi. C'est là ton lit. Ah, mais en fait, on peut les faire dormir. Ça peut servir de vraie chambre. Ah, c'est pour ça. Il devait être là, en fait. D'accord, et Henriette, Black. Ben non, Black, elle a deux lits. Je pige rien. Damnet, Katox. D'accord, donc là, c'est l'idée. Inspiré par un ego. Bah, tant pis. Les pollutions là. Ça disparaît peu à peu. Bon, on va aller péter du. Est-ce que je l'ai fait? Entraîné. Oui, il est entraîné. Tac tac. Non, pas pendant le pas pendant le travail, mais pendant la mobilisation. C'est qui ton maître? Plutôt un CAC. Qui peut le gérer? Et surtout ça, parce qu'il faut. Ah bah, il n'y a que DB. Non. DB Games. Qui est en distance. John qui est en distance. Elysium qui est en distance aussi. Ouais, bah, DB Games, c'est le moins stupide. Bon allez, à l'attaque. Hop, coalition des seringues. Est-ce que tout le monde a bouffé? Hop, 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 hop. Nourriture, non. Spikey est en train d'aller bouffer. Hop. Nourriture, Shadow, pas bouffé. Bon, les autres ils attendront. Toi tu voudrais pas les bouffer? Allez, à l'assaut.
Tac, tac, tac. On prend tout le monde. Ici. Si je me suis pas planté dans mes comptes, ça va le faire. Alors, Always, ouais, si tu vas derrière, tap, 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 tu récupères ça, tu vas là. Linat, t'es en tissu. Tom, tac. Toi, tu vas là. TB Games, t'es à la calache. Tac. Shadow, ici. Au signal, tu seras en dernier recours. Tac, Spikey. Scorch, tac, éternel, tac, mission, tac, qu'est-ce qui manque, Surmanes, tac, et Adam, tac, c'est bon, j'ai tout le monde, allez, on sauvegarde avec la mise en place. Et à l'assaut, je vais aller plutôt m'occuper de ceux qui sont derrière. Non. Parce que quand même ça, ça découpe un peu. Blindé, c'est lui. Tac. Tac. Sirmanes, ici, Adam. Tom, tu veux aller sur lui. Black, sur lui. Canton. Tu veux intercepter ce qui se présente. Allez, vous allez nous défoncer. Lui, vous défoncer. Hop. Toi, tu me défonceras, c'est sur qui tu peux tirer. Et ça va être parti. Tac, attaquer. Hop, attaquer. 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 Bim. Canton en interception. Macro-signal. Ah, dans. Ah putain, il y en a deux sur la tronche. Adam est mort, salopio. Tu t'es fait découper la tête, quoi. Ouf. Il fond dans le cou, merdouille. Ah, ça saoule. Oh, c'était mon psychopathe. Bon, place en âme. Oh la vache, quelle saloperie les faucheurs, bordel. Canton à la rescousse, Rossignol aussi. Sirmanes à la rescousse. Ok, bon, et puis ensuite vous me défoncez ça. Sirmanes et
Mal dans quel point? C'est dans 13. Ok. Tiens. Fais-toi un peu de coagulation là-dessus. Hop, caneton. Coagulation. Le rossignol. Voilà. Allez, vous, je vous démobilise. Problème avec les cantons. Tu vas pouvoir me récupérer 2-3 trucs. Des dégâts tu rentres. Et... et Adam, effectivement, je n'ai pas d'espace prévu. Pêche. Fèche, fèche, fèche. Ah tiens, ça je peux le déplacer maintenant, c'est bien, je vais pouvoir me faire une break route. Hop. D'abord, un sarcophage en marbre. Je vais la faire par là, ma crypte. On va en faire une plus, parce qu'on n'est jamais trop prudent. Puis je déplacerai le tombeau ensuite. Ça, on peut débarrasser et retirer la zone de base. Saloperie. Le canton, disband. Saloperie. Unité malheureuse pour Sir Madness. Mais qu'est-ce que tu fais en pantalon? Mais pourquoi tu portes ton pantalon? Ah, d'accord. Là, qui prend une douleur aiguë, eh ben, je suis désolé. Hein. J'en suis bien désolé. T'as encore un que je veux pas. En plus, je vais même pas pouvoir le ressusciter, lui. Il lui manque la tête. La brume acide se dissipe. C'est une bonne chose. Sir Madness, bah oui, mais arrête-toi, Sir. Arrête tout, change-toi, mais remets un pantalon. Ça ira mieux. Voilà, va manger un coup, ça ira mieux aussi. Tu vas te soigner. Qu'est-ce que tu me fous là? Faire dodo. Comment besoin de soins, Black. Carrément. Ah oui, being out in 7 heures. Ok. Tom, où es-tu? Tom, t'es ici, t'es en train de récupérer. Garde à foin, je vais jusqu'à la racine, d'accord. Oh là là, ça va faire tut. Il est l'heure de récolter tout ce que l'on peut récolter. C'est-à-dire pas grand-chose. C'est-à-dire quasiment rien. Tant pis. Ah oui, mine de rien, les provisions, ça baisse un peu. Je pourrais peut-être aller chasser un peu, tiens, il me fallait. Là que tu vas aller récupérer ta
ton épée longue. Si c'est pas Tom qui va, ça pourrait être DB Games, hein, peut-être. Il me ferme mes deux cercueils. Ranger, hop. Tac. Pas les préherberies. Je vais aller me faire ça. Voilà. Oui, j'avais une quête à prendre. J'avais dit sérum du repos de la mort et jade. Ok. Météorite de minerai d'argent, c'est cool ça. Ça coûte. Canton qui va aller enterrer Monsieur Adam qui était avant Onyxtro. Sniff, paix à son âme. Hop, on va déplacer ceci là et on va construire autour. Du coup, ça devient une salle de jeu, ce qui est quand même mieux que... Hop, on va construire donc une crypte structure avec des murs en marbre, tant qu'à faire. Hein. Ne voyons pas petit. Rien n'est trop beau pour nos morts pour la patrie. Hop. Et puis on va prévoir un, deux, trois. Ça veut dire qu'on n'aura pas besoin de plus. Hop, voilà. On va dire. Ah oui, tiens, j'ai bien installé. J'installe un autre mode normalement. Structure qui me permet de faire des portes plus grandes. Et salut Xebus. Salut Xebus. Salut Squash Belge. Merci pour le raid. C'est sympa de votre part. Merci beaucoup. Comment allez-vous bien? Merci. Oula, il y a plein de nouveaux qui viennent pour la première fois. Trop cool. Dark Tipiak, Zamphib, Yardil. Sur quoi tu streamais, Xebus? Qu'est-ce que tu nous faisais de beau? Et merci pour le follow. Dwarf Fortress, forcément. Il faudra quand même que je le teste un jour celui-là. Même si je dois bien avouer que les graphismes font encore un peu... Je suis pas sûr d'être totalement, totalement fan du style. Ouais, même avec les nouveaux graphismes, j'ai pas, franchement, j'ai pas regardé énormément de choses, mais j'ai trouvé que c'était encore bon. C'est clairement mieux qu'avant, mais comme j'aime bien le dire parfois quand je parle de mes élèves, le mieux est l'ennemi du bien. Faire mieux, c'est une chose, faire un truc qui soit vraiment sympa à regarder. Bon.
J'ai encore, voilà, un petit peu de mal. Bon, ouais, je vais chasser ça. On aime chasser le buffalo à coup de fusil à pompe. Tilup, tilup. Je sais que vous gelez jusqu'à la racine. Vengeance. Tiens, c'est bizarre ça. Ça n'arrive jamais. Voilà. Il s'est vengé et il est mort. Tac. Parce que bon, mine de rien, j'ai plein d'insectes, de viande d'insectes, mais. Cochon. Je sais pas s'il y en a qui t'étais déjà passé. J'ai des bonnes statues là, dis donc. T'étais déjà passé, je crois, sur cette partie des bus. Oh putain, c'est rentable et. Il y a pas avant les. Ouais, avant les fêtes. Et. Je me suis fait plein de zones de. Plein de chambres, en fait. Pour. J'ai viré les. Tu vas me laisser? Ok, ouais, bah, je me doute en général. Quand on fait un raid, c'est rarement pour passer des heures à discuter derrière. Bonne soirée, Xebus. Un bon jeu ne se résume. Ah non, bien entendu, un bon jeu ne se résume pas au graphisme. Il y a des très beaux jeux, mais qui ne va pas le coup d'être joué. Ça, on est absolument. Je joue à Rimworld, qui n'est pas franchement le jeu le plus beau du monde, quoi. Mais ouais, je sais pas. J'ai eu un peu de mal. Puis j'apprécie plein de jeux en pixel art ou ce genre de choses. Hein. J'ai absolument rien contre le graphisme un peu minimaliste. Mais bon, j'ai encore. Ouais, encore un peu de mal avec ce que j'en ai vu. Mais bon, peut-être que si j'en faisais davantage, ça irait mieux. Hein. Je verrais qu'en fait, ça vaut quand même le coup. Hein, mais. Hop, et voilà, des buffalo en boîte. Ah non, il reste 4 encore. Belle porte triple. Hop. Dans le caillasse. Ils n'ont pas encore cassé ça là. On suit à combien de. À 141, à initial, oui, ça va quand même nettement mieux là. En fait, du coup, on va peut-être se calmer, on va peut-être repartir sur de la bouffe. Faites-moi de la patate. Top du riz, ça vous. Top, 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 voilà. Changement non plus de. Ouais, j'imagine bien que tu jouais sur la. Sur la version pré-Steam, mais. Non, non, mais bon. Encore une fois, j'ai pas. J'avoue très volontiers ne pas avoir passé beaucoup de temps à regarder des streams sur Dwarf Fortress et puis voilà, en fait, les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas de toute façon. Et merci pour le follow. Transport. Merci pour le follow. Alors, je suis désolé parce que je vois pas bien les noms de ceux qui font les nouveaux follow. Donc, je ne peux pas vous remercier comme il se doit.
encore. Parce que. De toute façon, depuis le temps, je m'étais déjà mort. En fait, habituellement, les fils d'actualité Twitch fonctionnent, mais là, ça fonctionne pas. Il y a eu des bugs, peut-être que ça n'a pas été totalement rétabli. Donc, j'ai du mal à voir sur mon petit écran sur OBS qui enregistre. Bah, c'est Zamphib, là je vois mieux. Zamphib 68. Sur le chat, je vois bien, mais les fils d'actualité, ça déconne. Télup, ah, gel. Merde, il fait moins 15 dehors. Hop, donc là, j'ai rapporté ça. Ramenez-moi. Ramenez-moi de la caillasse pour faire de la caillasse. Les blocs. C'est du calcaire. Et la grossesse de Tom progresse. Et du coup, je vois pas non plus combien vous êtes sur le stream. Ça, je pourrais. Je vais le voir. Combien est-ce qu'on est là? Combien c'est qu'on est? 12. Je vais de toute façon pas trop tarder à m'arrêter aussi. Est-ce qu'il faut pas que je fasse des dodos de la mort? Si, dodo de la mort. Dodo de la mort pour Monsieur Caneton. Tac tac tac. C'est celui-là. Monsieur Caneton, voilà. Katox, tu vas attendre un peu. Et Black, t'en es où du coup? Oula oui, depuis sa sortie. Alors honnêtement, les DLC, s'il y en a un à prendre, c'est le dernier qui est sorti, qui est clairement un cran au-dessus des autres en termes de possibilités. Mais le jeu de base est tellement riche que moi j'y ai joué pendant très longtemps sans les DLC et franchement je m'en suis pas plus mal sorti que ça. Il y a plein de modes qui te permettent de faire plein de trucs sans avoir besoin des DLC. Ah, une évasion. Mais qui t'a demandé de t'évader? Et deux fois en peu de temps que tu cherches à t'évader, petit scarabée. Pas une bonne idée. C'est chiant. Mais bon, ceci dit, c'est quand même un excellent jeu. Black va l'empêcher de sortir. Bim. Et bim. Ça c'est fait. Capture-moi ça. Wow, 5 heures. Putain. Lui, il faut qu'il survive. Damned va me soigner, coco. Bon, ensuite, tout le monde n'aime pas les mods. Hein. Ça, j'ai. Pour avoir eu quelques discussions avec. Des camarades sur les jeux du cygne. Je sais que tout le monde n'est pas fan, que je peux comprendre parfaitement, mais c'est un jeu que je n'imagine auquel je n'imagine pas jouer sans mode en fait. Il y a tellement de trucs qui sont tellement plus simples avec les mods. Ouais, il y a vraiment masse de choses hein, pour. J'ai une ardoise encore. Et les Mécanitors que je pourrais faire d'ailleurs. J'ai ça qui me permet d'activer les Mécanitors que j'ai jamais fait. Ah oui, je devais me faire. Ah mais je sais ce que j'avais dit. Je devais me faire un labo de bio. C'était ça que j'avais dit avant les vacances. Et c'est pour ça que j'ai voulu virer ces zones-là. Chat me revient.
Le labo de bio. Calcaire. Qu'on avait dit qu'on ferait à côté de l'hosto. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Tac, tac, tac. Vais le faire. Je sais pas de quelle place j'ai besoin. Je vais voir les choses en un peu plus grand que d'habitude. Laboratoire de génétique. Bon, vous savez quoi, je vais pas me lancer dedans maintenant. Je vais regarder un peu de quoi j'ai besoin. Biotech, assembleur de gènes, banque de gènes, extracteur de gènes, processeur de gènes. Je vais regarder ça un peu en détail. Je vais arrêter ce stream là maintenant. Je vais lancer un petit raid, hein, un raid de raid. Ça fait toujours bien. Qu'est-ce que je vais pouvoir les raids? Merci en tout cas à tout le monde d'avoir suivi ce live. Les raids, bah, j'ai pas grand monde. Ah non, attendez, je suis pas sur le bon. Twitch. Merci Amphib. Il y a Edreda et Morrigan. Bon, on va aller voir Morrigan. Morrigan qui est sur Destiny 2. Si vous voulez rester. Ouais, je me doute. On dit merci à tous. Je vais couper la vidéo YouTube. On dit au revoir à nos amis YouTube. J'espère que l'épisode vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire comme d'habitude. On fait plein de bisous à tout le monde, plein de bisous aux viewers, plein de bisous à Canton, notre super animateur. Et voilà. Et donc je vais lancer le raid. Donc je coupe YouTube.